Les défis confinés du château de Mayenne. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un pion de jeu d'échecs en pâte à modeler. Vous pouvez voir ces 5 pions d'échecs à visage humain dans la salle gothique du musée. Préparez donc de la pâte à modeler, un ébauchoir ou un couteau, un bouchon de stylo et un cure-dent. Prélevez un petit morceau de pâte à modeler pour façonner le corps du pion. Roulez la pâte en boudin. Appuyez un peu plus à l'extrémité de façon à ce que la base soit un peu plus large. Aplatissez la base afin que le pion puisse tenir debout. Ensuite, nous allons faire la petite calotte au-dessus de la tête du pion. Prélevez un petit morceau de pâte à modeler. Faites une boule. Et aplatissez un peu. Vous devez ensuite appuyer légèrement pour que la calotte soit bombée. Enlevez la calotte pour continuer. Nous allons prendre l'ébauchoir ou un couteau afin d'enlever de la pâte. Il faut creuser un peu sur le devant tout en laissant de la pâte pour le visage. Tapotez et frottez un peu avec l'index pour que la pâte soit lisse. Nous allons à présent modeler le visage. Avec le cure-dent, faites la forme du visage, il doit être un peu triangulaire. Votre cure-dent doit être presque à plat pour faire les incisions ou les traits. Aplatissez un peu le visage. Toujours avec le cure-dent, nous allons faire deux petits traits pour le nez. Puis, un trait pour figurer chaque sourcil et un trait pour la bouche. Avec le bouchon d'un stylo, nous allons faire les ocelles qui figurent les yeux. Regardez bien. Appuyez légèrement l'extrémité du bouchon et avec un cure-dent, venez faire juste un petit pic à l'intérieur de l'ocelle pour représenter la pupille. Et voilà, le visage est terminé. Maintenant, nous allons créer les incisions pour le décor du corps. Voyez les pions de dos. Prenez un cure-dent, faites des traits sur le tour en vous servant d'une photo du pion comme modèle. Attention, le cure-dent est toujours quasiment à plat. Voilà! C'est terminé, on peut remettre le pion debout et le coiffer de sa calotte. Alors, 1, 2, 3, modelez et n'oubliez pas de nous envoyer vos créations.